Jean-Marc Kabundu devant la barre. La date du début des audiences est fixée le 5 septembre prochain à Kinshasa. L'ancien président de l'UDPS et vice-président de l'Assemblée nationale sera et toujours détenu à Makala. À suivre encore dans ce journal, des experts des Nations Unies émettent des doutes quant à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Dans un rapport publié dans un article paru ce 25 août, plusieurs défis sont à surmonter avant la tenue effective des élections. Élections encore, on a parlé dans ce journal, Félix Tshisekedi va-t-il se représenter ou pas en 2023? Notre caméra a interrogé les acteurs politiques de la vie nationale congolaise. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Très heureux de vous présenter ce journal sur Congo France Télévisions. Commençons cette édition par le dossier Jean-Marc Kabundu, qui est toujours détenu à Makala. L'ancien président de l'UDPS et vice-président de l'Assemblée nationale. Le début de ces audiences est fixé le 5 septembre. Il sera finalement devant la barre où il va présenter son moyen de justice. Pour les précisions, Eliane Dagdia. Conduit en prison centrale de Makala, situé à Selembaou, au sorti de la deuxième audition à la cour. L'ancien bras droit du chef de l'État devant ses juges pour présenter ses moyens. Sur la ligne juridique, la procédure n'a pas été respectée sur ce point. Mais actuellement, en rapport avec ce qui s'est dit, on ne peut pas suivre des spéculations. Étant esclave de la loi, je tiens à vous dire que la procédure n'a pas été respectée par rapport à l'autorisation de faire des fixations devant son juge naturel, qui est la Cour de cassation. Nous, on ne peut pas faire le prononcé du jugement. Nous faisons confiance à notre justice congolaise. Et nous savons que sur le plan juridique, il a aussi ses moyens qu'il va apporter. Il doit se défendre aussi de sa façon. Mais ce que nous voulons, c'est que le jugement sera fait sur base de moyens qui seront présentés par ses avocats. Et de l'autre côté également, contradictoirement, on doit s'attendre à un procès équitable. Conformément à la loi, on ne peut pas dire que non, c'est parce qu'il est député national, il est ceci, il est cela. On ne tient pas compte des convictions politiques ou divergences, mais nous nous réservons de toute tendance politique. Nous faisons confiance à la justice congolaise et nous savons très bien que la justice fera mieux pour que les procès soient équitables. Merci, madame. L'article 75 de la loi relative devant la Cour de cassation, cette disposition ne prévoit pas à ce que les immunités du député national soient levées de cette façon. Nous avons l'article 119 de constitution de la RDC consacré au principe du droit de la défense, afin que la personne soit bien jugée. L'épisode Jean-Marc Kabundu va commencer, afin de rendre justice le fait qu'ils lui sont reprochés. Parlons élections à présent. Les experts des Nations Unies émettent des doutes quant à la tenue effective des élections en 2023 en République démocratique du Congo. Dans un rapport à Paris ce 25 août, plusieurs défis ont été relevés quant à la CENI pour la tenue de ces élections dans les délais constitutionnels. Lili Mboui pour les reportages. En préparation des élections 2023, selon certaines analyses, la CENI se prépare matériellement pour tenir les élections dans les délais constitutionnels. Michel Mukendi explique. Effectivement, madame, je voulais si marteler aussi sur ça que la CENI elle est prête, hein, que monsieur Kadima va organiser les élections dans les délais constitutionnels, et je salue aussi le travail de l'Assemblée nationale qui ne dort pas, qui est en train d'appuyer aussi la CENI, et je salue aussi les gouvernements qui est en train de déployer tout le moyen financier pour rapport à l'organisation des élections en 2023. Les élections seront bel et bien en 2023, madame. Selon le calendrier de la CENI, les élections auront lieu à 2023. Mais pour l'instant, tout passe pour l'enrôlement des élections de la RDC qui débutera au mois de décembre. Et je crois bientôt, là, nous allons procéder aux cartes. Donc la CENI va disposer des cartes d'électeurs. Donc les élections auront bel et bien en 2023. Non, effectivement, c'est un problème technique. Hein. Vous voyez, la CENI, c'est un organe technique. Les gens doivent d'abord comprendre. Ce n'est pas que nous sommes en train de déployer les histoires ici. D'autres histoires viennent de l'étranger. Mais au fur et à mesure, nous sommes en train de travailler. La CENI travaille dur et le gouvernement travaille dur. Donc nous donnons la chance à la CENI d'organiser les élections. Il n'y a pas un retard parce que c'est un problème de la logistique. Il nous reste à confirmer la date des élections qui sera donnée par la CENI. La population congolaise demande comment ces processus des élections vont-ils se dérouler en 2023. Conformément au calendrier électoral, selon les articles des Africains intelligents publiés ce jeudi 25 août à un rapport des experts de l'ONU, plusieurs défis expliquent la crainte des scénarios susceptibles des non-organisations des élections.
Toujours dans ces mêmes chapitres électoraux, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va-t-il se représenter en 2023 ou pas? Notre reporter est descendu sur le terrain pour interroger les analystes politiques pour la vie politique de la vie de la République démocratique du Congo. Écoutez Divine Kokolo dans ses reportages. Le temps court plus vite pour le pouvoir de Félix Tshisekedi. Bientôt, nous serons à l'approche de 2023, la date fatidique pour la tenue des élections présidentielles. Nous avons demandé cet analyste et politologue. Pour lui, l'action politique court dans le temps. Longue vie, son gouvernement doit proposer au peuple la bonne gestion du pays. Les promesses et les actions ont un décalage énorme. Changeons de chapitre pour parler immobilier. À présent, plusieurs ministres ou anciens dignitaires de la République démocratique du Congo occupaient jusqu'à ce jour des maisons de l'État de façon illégale. En tout cas, c'est le cas de l'ancien gouverneur de Tanganyika, Zoé Kabila, le frère cadet de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a été déguerpi de ses locaux à Gombe. Écoutez ce récit réalisé par Charlène Negala. Opération lancée au gouvernement congolais. Des récupérations du patrimoine immobilier de l'État. Depuis le début de l'opération, il y a quelques mois, une trentaine de villas qui étaient occupées par des cadres et anciens ministres ont déjà été récupérées. Dans la capitale, l'ancien gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila, le frère cadet de l'ancien président Joseph Kabila, déguerpit de ce bureau qu'il occupait illégalement. La maison fait partie des logements réservés aux militaires, selon l'archive du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Selon le répertoire de 2013 et de décembre 2018, il en reste encore dans d'autres villes du pays. La province de Tanganyika, à présent, plusieurs ports privés ont été fermés depuis 2019. En tout cas, les victimes réclament la réouverture de ces ports parce qu'ils estiment d'être en droit, parce qu'ils sont en possession de leurs documents. Explication avec Charlène Degala. C'est là 3 ans que date la fermeture du port privé et autres ports à Kalemie. Une décision avait été prise par l'ex-gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila. Cause de la fraude et l'évasion fiscale, l'embarcation provenant de la Tanzanie voisine et de la Zambie transporte essentiellement des denrées alimentaires qui échappaient aux douanes congolais selon les services de l'État. Quand le gouvernement provincial a fait les constats des irrégularités dans le fonctionnement de ces ports, il les a tous été stoppés. 3 ports ont été fermés au total. Le port de Kontebe, de Jeska, et des ATB, le gouvernement provincial avait scellé les bureaux et l'interdit l'accostage dans ses installations. De l'autre côté, les propriétaires de ces ports privés soutiennent qu'ils sont en possession de fonctionnement et qu'ils payaient toutes les taxes. Ils plaident ainsi pour la levée de cette décision et toujours sous le choc pour cette mesure prise par nos autorités. Or, il a été présenté tous ces documents. Parlons
de la province de Bandundu, à présent quittons les Tanganyika, les conflits qui sévit depuis plusieurs semaines dans cette province qui a fait plusieurs morts entre les Teke et les Yaka. Tel est l'objet de la rencontre entre le caucus des députés de cette province et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso. Écoutez ce reportage. Retrouvé entre le caucus de Maindombe et le caucus du Kwango, avec le bureau de l'Assemblée nationale, c'est à la suite des drames, des incidents malheureux qui se déroulent à Kwamout. Les peuples Teke et Yaka ont vécu toujours ensemble depuis des siècles. Il est malheureux aujourd'hui de constater que les gens sont en train de s'entretuer. Nous demandons à la population de garder le calme, de laisser la violence et de vivre en paix. Nous enverrons une délégation des honorables députés qui se rendra sur place. Et le président de chaque caucus et les lits de Kwamout vont s'adresser à la population de Kwamout et de l'ensemble de Maindombe. Présente en RDC depuis 1999, les voix continuent à être élevées pour le départ de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Au regard de leur bilan sur le plan sécuritaire en RDC. Mais les départs ne doivent pas être de façon brusque, mais plutôt en douceur. Explication avec Sephora Kitima. La colère de Congolais contre la MONUSCO ne cesse de s'attendre dans le sol congolais. Certains manifestants nous ont livré à leurs sentiments quant à la situation et à la présence de la MONUSCO. La population comprend que la MONUSCO ne peut pas assurer leur sécurité ou affronter les rebelles M23 et les autres comme le souhaitèrent, explique M. Michel Mukendi. Il y a plus de 15 ans qu'elle est ici, la MONUSCO. Elle n'a jamais. La MONUSCO a joué aucune fonction, aucun rôle satisfaisant en faveur de la RDC. C'est pour ça que j'avais salué l'initiative de la population de l'Est de chasser la MONUSCO dans les terres congolaises. Cette délocalisation est consécutive aux récentes manifestations violentes au cours desquelles il y a eu des péris dans la ville. Les manifestants exigent le départ des casques bleus qui les jugent inefficaces dans leur mission de protection civile. Nous savons comment est-ce que la MONUSCO fonctionne. Nous connaissons. Je connais le rôle de la MONUSCO, c'est faire la stabilité et la sécurité. Mais dites-moi ici, la MONUSCO a déjà assuré quelle sécurité? Jamais rien du tout. Donc c'est pour cela, moi je suis d'avis que la MONUSCO puisse quitter les sols congolais. La MONUSCO, quant à elle, pense à sa délocalisation, doit se faire de manière stratégique, ne devrait pas être dans la précipitation, peu importe le reproche et remarque nous pouvons formuler à l'encontre de la MONUSCO. Nous ne pouvons nullement ignorer tout ce travail fait dans ce pays. Sans ignorer, il y a beaucoup de faiblesses dans nos forces armées, sur le plan de la logistique et d'autres aspects. Il faudra que ces retraits soient faits de manière réfléchie, stratégique, pour ne pas laisser une bombe après son départ. Et revenons aussi à Kinshasa pour parler de l'environnement finalement. Madame la ministre Eve Bazaïba qui se lance dans l'opération Kinbopeto à côté du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jikoko Mulumba, c'est pour sensibiliser les Kinois dans un environnement sain. Écoutez le message qu'il a lancé à travers cette occasion. Écoutez-la. Sur terrain, pas en tant que maman, en tant que vice-premier ministre du gouvernement central en charge de l'environnement. Environnement et tali makambu ya assainissement. Naye spécialement na pombo ya gouvernement pour appuyer action ya ville. Ndenge vice-gouverneur a leki na terrain pour na kozongisa Kinshasa na ndenge tozalaki fo na appuyer. Yango na ba kinwa il faut toyeba. Mututi ke no lukao appui balongoli kioske na nga ba sali établissement na nga boye yeba ke awa gouvernement central les ali, gouvernement provincial les ali, commune pe ezali. Et puis, bah, pour Naminabino, puis, bah, parlementaire, donc l'Assemblée provinciale, basale. Même au niveau national, Tozali Awa. Bon, c'est inconcevable. Mbo Kanabiso, Kin, Yabakin, et comme Kebabengango, Kin la poubelle. Biso Toyeba, Kinshasa, Nandenge, Kin la belle. Lipopo, Kin Malebo. Toyebe, la mona basalité, Oyote. Et ça, en retour,
Plus rien ne sera comme avant. De maloba oyo nga na eko ebisabino na kombo ya président de la République na kombo ya premier ministre yango wana. Boucler complètement la boucle, si vous nous avez pris en cours de cette édition, voici les rappels des titres. Jean-Marc Kabonde, bientôt devant la barre. La date du début des audiences est fixée le 5 septembre prochain à Kinshasa. L'ancien président de l'UDPS et vice-président de l'Assemblée nationale est toujours détenu à Makala. Des experts des Nations Unies émettent des doutes quant à l'organisation effective des élections dans les délais constitutionnels en République démocratique du Congo. Dans un rapport publié dans un article de Paris ce jeudi 25 août, plusieurs défis sont à surmonter par la CENI avant la tenue effective des élections en RDC. Élections toujours, nous avons parlé dans ce journal les élections. Félix Tshisekedi va-t-il se représenter ou pas? Le défi est tellement énorme au vu de son bilan. Notre caméra a interrogé les experts. Merci à toutes et à tous de nous suivre dans cette édition. Merci de continuer à suivre nos programmes. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous disons aussi merci à Pamsi Bienga qui a été à la régie.